Je vous dis même pas bonjour. Vous ne savez pas à quel point je suis énervé. Je viens de retourner sur YouTube. Et qu'est-ce que je vois? Mais je vois des vidéos de gens qui me clashent. Mais c'est intolérable. C'est inadmissible. Je ne comprends pas pourquoi des personnes ont autant de haine envers quelqu'un d'aussi parfait que moi. Donc, vu que tout le monde me clash, j'ai décidé de faire une vidéo où je clashais tout le monde. Donc, déjà, c'est un clash en différé. C'est-à-dire que là, je vous montre une vidéo où je joue comme un dieu, mais. Mais. Mais je ne parle pas en même temps, il faut pas trop pousser non plus. Sinon, ben, le jeu, c'est le jeu parfait, hein. Qu'est-ce que je dis? Je vais même pas donner le nom de ce jeu tellement il est parfait, hein. Je vais pas jouer à un jeu pourri comme font les autres, hein. Bon, jeu pourri, je pourrais en citer un. J'en ai pas un qui me vient en tête là maintenant, mais je trouverais bien. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai une liste de gens à clasher. De toute façon, si j'oublie des gens, ben, tant mieux, quoi. Ça évite des dépressions, des pendaisons, puis des suicides. On va faire d'une pierre trois coups, faire un triplé là. Bon, on va parler de lunatique, de GCB et de je fais chier les gens. Donc, déjà, c'est trois gens, mais ça sert à rien de rentrer dans votre délire de merde là. Je comprends pas, vous faites tous la même chose, vous avez plein d'abonnés, mais je suis sûr que vos abonnés ils vous suivent. Mais parce que vous faites de la merde en fait. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vous menacent d'ailleurs de mort. Je suis sûr que vous recevez des lettres anonymes. Avec des lettres découpées dans des journaux et que voilà quoi, vous avez tellement de pouces rouges, d'ailleurs les gens ils en ont plus rien à foutre de vos vidéos, ils se désabonnent. D'ailleurs moi, même moi, je crois que je vais me désabonner, hein. J'ai encore une lueur d'espoir dans les yeux, hein. C'est pas comme si vous étiez des dieux, quoi, mais non en fait vous êtes pas du tout des dieux, hein. Vous êtes des sous-merdes. Mais voilà quoi. Personne ne rentre dans vos délires, d'ailleurs vous vous copiez tous entre vous, d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose une question. Je me pose la question si vous êtes tous les trois en fait la même personne et que vous faites un complot contre YouTube. Et dans ce cas-là, je vais signaler toutes vos vidéos. Parce que j'en ai plus qu'assez que vous monopolisez les YouTube poupes françaises qui sont déjà très mal classées. Alors si en plus vous monopolisez ça, mais ça devient n'importe quoi. Donc là, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Alors, quoi info, je ne sais pas quoi lui dire, mais je sais déjà que c'est une sous-merde. Artremix, tu fais des MV de merde, hein. Je suis sûr d'ailleurs que ce sont les pires MV de tout YouTube, hein. D'ailleurs, t'as pas beaucoup d'abonnés, t'es pas très connu, t'es même pas connu en France, enfin. Voilà quoi, les gens ils s'abonnent, mais. Parce qu'ils ont pitié de toi en fait. C'est tout ce que j'ai à te dire. Manfob 22, mais Manfob 22, c'est même pas des vidéos qu'il fait en fait. Il se drogue, il se fait un rail de coke et puis il fait des vidéos comme ça, mais ça fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on fait des vidéos. Les vidéos, c'est réfléchi, hein, comme les miennes d'ailleurs. Hein, je ne me vante pas du tout. Tes vidéos, c'est trop de la merde. Oui, tant que j'y pense, je vais m'adresser à ce qui paraît une étoile montante dans les YouTube poupes françaises, hein. Je vais pas bien sûr parler de Zwerf. Hein. Bon, Zwerf, hein, ben, les gens s'abonnent à toi parce qu'ils ont pitié de toi déjà. Tes vidéos, tes poupes, si on peut appeler ça des poupes, c'est trop classique. Hein. J'entends saucisse partout, c'est de la merde. Je ne comprends d'ailleurs même pas. Ah oui, puis aussi, je tenais à te dire que. On est ce qu'on mange, tu vois. Il y a une expression qui dit on est ce qu'on mange, et à force de manger de la merde, eh bien, tu es devenu une grosse merde. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, je connais quelqu'un qui, à force de bouffer des bites, en est devenu une. Je vais bien sûr parler de Spi. Alors Spi, il se prostitue sur Skype, il essaie de se faire tous les mecs de YouTube. D'ailleurs, je suis sûr qu'il suce 90% des pénis de YouTube. Avec son coéquipier d'Herbe, David Herbe16, alors lui. Il fait des vidéos de gameplay, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces vidéos, d'ailleurs, ces poupes, si on peut appeler ça, ben. C'est complètement à l'arrache, j'aime pas du tout. Ils se contentent de recopier des trucs, c'est inadmissible. C'est tellement inadmissible que je crois que je vais te signaler. Je vais te signaler. Ça ne peut plus durer. Donc, qui c'est qu'il y avait d'autres? Noot, c'est quelqu'un qui m'inspire même pas, donc je vais même pas m'attarder là-dessus. Pareil que Rob. Rob, j'en ai rien à foutre. Kada, Kada, ça fait partie du même sac que. Comment il s'appelle l'autre schizophrène? Il s'appelle Goustache, voilà. Goustache et Kada, ben, ce sont deux gros schizos. En fait, leurs abonnés ben, sont eux-mêmes. Hein, ils se sont fait tellement de comptes YouTube qu'ils ont fait imploser les serveurs de Google, je pense. Donc voilà. Ah oui, QUP. Alors QUP,
C'est bien de faire des YouTube, mais est-ce que tu pourrais prendre un régime, s'il te plaît? Parce que tu es tellement gros que je te vois à travers la fenêtre. TS. Sezori 64. Sezori 64, alors. Alors, est-ce que tu pourrais arrêter d'être autiste? Est-ce que tu pourrais au moins te mettre au pouls? Parce que. Je dis ça comme ça, mais François Pérusse, on n'a rien à foutre aussi. Voilà, c'est pas un humoriste connu, et puis c'est pas un humoriste qui fait rire aussi. Donc, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Oui, il y a aussi le copain diabolique de JFC qui s'appelle Tahozac. Alors Tahozac, il est. C'est pareil que Derby, il est pas présent sur Sky, mais il y avait déjà quelqu'un qui l'a dit, ça, ils sont pas présents, ils font rien sur Sky, mais. À vrai dire, je les comprends, hein, à force de traîner avec des boulets comme tous ceux que j'ai cités avant, ça ne m'étonne même pas que. Ils aillent, tout d'un coup, sauter à travers une fenêtre et s'écraser comme des grosses merdes sur les. Vince Vincent, je ne le vois même plus sur Skype, donc je ne sais même plus qui c'est. Et TPQT, donc The Pseudo qui tue, hein, la grosse lesbienne de Skype, qui fait d'ailleurs sa grosse victime. Hein, je me fais harceler par tout le monde, personne ne m'aime et personne ne me parle. Mais j'en ai rien à foutre, et arrête de gueuler parce que ça me saoule, et arrête d'ailleurs de m'appeler sur Skype, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je vais péter un câble, j'ai déjà perdu. 20% de mes cheveux. Si t'as pas envie que je perde le reste, eh ben, arrête de m'appeler. Il y avait qui d'autre? Parce qu'en l'heure, là, j'ai une liste sur Skype. Danilor, on en a rien à foutre. Lui, je le connais pas, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas. Cake, hein. Cake, et ça hantise des Français. Hein. Cake, si t'as honte d'être Français, ben, suicide-toi. Ah non, c'est vrai, t'es pas Français, tu es Arabe. Ah, ça pose problème, ça. Oh, bah, je suis désolé. Je suis désolé. Gugus la poupe. Gugus la poupe, tu sais pas faire de la musique, hein. Tu sais pas faire de poupe, tu vas essayer de te reconvertir dans la musique, mais c'est de la merde. Donc arrête. La mandoline, tu sais où tu peux te la foutre. Mystère, lui aussi, il est plus drôle. C'était mieux avant, lorsqu'il y avait que 151 Pokémon, ben, c'était mieux avant quand Mystère faisait des poupes drôles. Là, c'est plus drôle, ça me fait même pas rire. J'en ai tellement marre que voilà, quoi. Poisso, c'est Maboy Production, je crois. Maboy Production, il fait plus rien. Je suppose qu'il est en train de pourrir. Voilà. Penerep, il fait tellement rien du tout que j'en ai rien à foutre, en fait. Younes, rien que le pseudo, ben, ça vous laisse présager de la Suisse. Merde, j'ai oublié son nom. L'autre handicapé mental, là. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Ah oui, Bernard Després. Alors, Bernard Després. Bernard Després, c'est pareil que. Comment il s'appelle, lui? Manphob, voilà. Manphob, ben, c'est pareil, hein. C'est dans le même paquet. Hein. Vous êtes tous les deux des autistes, hein. Vous faites des vidéos sous crack. Et le skate, foutez dans le cul. Et je crois que j'ai fait le tour. Oh là là, mais c'est magnifique! J'ai réussi à faire un clash très professionnel derrière une vidéo du jeu parfait. Vous n'avez juste rien à dire sur ce jeu. Vous n'avez pas d'argument pour dire que c'est un jeu de merde. Parce que c'en est pas un. Alors maintenant, on va parler très sérieusement. Parce que là, j'étais gentil, là, mais en fait, là, je vais être très méchant vu que j'ai des gens qui se roulent des pelles sur mes vidéos. D'ailleurs, sur la vidéo qui s'appelle TF2 Auréolo FR TF2 Auréon point, deux points, RTD plus HL Statix 2 points, point, virgule, un arbre de paix. Alors, ces deux homosexuels, ben, ils s'appellent MR Shrikin et I am the F4ME, enfin, truc imprononçable, on sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, pour le dernier, hein, j'ai lu ton commentaire, mais je me suis même abstenu de te répondre vu que. J'ai pas compris ta phrase parce qu'elle n'est pas française. Je lis, hein, les gens qui se marrent et trollent sur cette vidéo ne sont aux trois quarts de FFA Boy. Ils n'ont rien à dire de plus, leur leader Groomf se donne machin. C'est pas français, il n'y a pas de ponctuation, t'as tout foiré. Tu parles du. T'es tellement peu clair et tu sais tellement pas parler français que même des sports auraient du mal à te relire, tu vois. Donc déjà, face à ces deux, à ces commentaires débiles, hein. Déjà, les gros PD qui disent qu'ils sont hyper fiers de leur team, hein, au rayon.
Ouais, Auréon, on est super impliqué dans la communauté de TF2. On a notre chef, il est sur Team Fortress Headquarter. C'est trop génial. Ah, je suis désolé de vous décevoir, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que une team, ça n'a rien à voir avec un serveur. Hein. Vous pouvez avoir une team très sympa d'ailleurs au rayon. De toute façon, j'y suis pas, donc je peux pas trop juger. Je ne peux pas juger la qualité de votre team. Par contre, je peux juger de la qualité de votre serveur. Et votre serveur, c'est de la grosse daube. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs, c'est tellement de grosse daube que j'ai même l'impression que vous avez dû tout. Vous avez dû signer un contrat, un partenariat carrément avec la communauté de Dofus, la communauté de Abo Hotel, ou je sais pas comment ça s'appelle cette connerie, ou même avec la communauté de Minecraft. Donc voilà, c'était une vidéo très professionnelle, hein. Donc je vous dis même pas au revoir d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Je vous dis même pas à plus, hein. Vous méritez même pas ça. Bande de trous de balle.